بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, par ceux qui se placent en rang, qui repousse le mal avec force et qui récite la parole en tant que rappel. Inna ilahakum la wahid, rabbu as-samawati wal-ardi wa ma baynahuma wa rabbu al-mashariq. Votre Seigneur est certainement unique, Seigneur des cieux, de la terre et de tout ce qui se trouve entre eux, et Seigneur de chaque point d'où se lève le soleil. Inna zayyanna as-samaa'a ad-dunya bi zinatin il-kawakib wa hifzan min kulli shaytanin marid. La yassamma'una ila al-mala'i al-a'la wa yuqdhafuna min kulli janib. Nous avons paré le ciel le plus proche d'une parure, les astres, en protection contre tout démon rebelle. Ainsi les démons ne pourront écouter la sublime cohorte, ils seront harcelés de tous côtés, pourraient être repoussés et subiront un tourment perpétuel. À moins que d'aventure, l'un d'eux ne subtilise, alors le suivra une flamme perçante. Fastaftihim ahum ashaddu khalqan amman khalaqna inna khalaqnahum min tinin lazib. بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ. Alors demande-leur s'ils ont été plus difficiles à créer que tous les autres êtres que nous avons créés, car nous les avons créés, eux, d'argile collante. Mais tandis que tu t'étonnes, eux se moquent, et quand on les avertit, ils ne prêtent guère attention. Et quand ils voient un signe, ils cherchent à le ridiculiser. أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. Ce n'est là que magie manifeste. Lorsque nous serons morts et réduits à l'état de poussière et d'ossements, serons-nous vraiment ressuscités? Et nos ancêtres aussi? Dis, ô Mohammed, oui en vérité, et vous le serez malgré vous. Il n'y aura qu'un seul cri, et voilà qu'ils regarderont, et diront, malheur à nous, voilà le jour du jugement. Oui, voilà le jour du discernement que vous traitiez de mensonge. <t'en>
دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين Il sera dit aux anges, rassemblez ceux qui étaient injustes, de même que leurs épouses, et ceux qu'ils adoraient en dehors de Dieu. Puis conduisez-les au chemin menant à l'enfer. Mais retenez-les avant, car ils doivent être interrogés. Et on leur demandera, pourquoi ne vous portez-vous pas secours les uns les autres? Mais ce jour-là, ils se soumettront totalement. Et ils s'approcheront les uns des autres et s'interrogeront mutuellement. Ceux qui auront été les plus faibles diront, c'est vous qui nous forciez à ne pas croire, nous jurant que vous disiez la vérité. Les autres répondront, non, vous étiez vous-même des mécréants. Nous n'avions aucun pouvoir sur vous, vous étiez vraiment un peuple rebelle. La parole de notre Seigneur s'est donc réalisée contre nous, et nous voici sur le point de goûter au châtiment. Oui, nous vous avons égarés, étant égarés nous-mêmes. فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Ce jour-là donc, ils seront tous associés dans le châtiment. Ainsi traitons-nous les criminels. Car lorsqu'on leur disait « Point de Dieu que Dieu lui-même », ils se gonflaient et disaient « Allons-nous abandonner nos dieux pour un fou de poète ?» Il est plutôt venu avec la vérité et il a confirmé les messagers. Vous goûterez certes un douloureux tourment, car vous ne serez rétribués que selon vos œuvres. Illa ibadallahi al-mukhlasin ulaika lahum rizqun ma'lum fawakih وَهُمْ مُكْرَمُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ
يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون. Et seuls en seront sauvés les serviteurs sincères de Dieu. Il y aura des largesses déjà prévues, des fruits variés, et ils seront honorés. Dans les jardins du délice, sur des sofas, ils seront assis face à face. Et on fera circuler entre eux une coupe d'eau remplie à une source vive, eau limpide et savoureuse à boire, n'entraînant ni mal de tête ni ivresse. Il y aura auprès d'eux des compagnes aux grands yeux et aux regards chastes, et au teint d'opale immaculé. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ قَالَ تَاللَّهِ إِنْ كِدْتَ لَتُرْدِينِ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ. Puis ils s'approcheront les uns des autres et s'interrogeront mutuellement. L'un d'eux dira « J'avais un compagnon » qui me disait « Es-tu vraiment de ceux qui croient au message ?» Quand nous serons morts et réduits à l'état de poussière et d'ossements, aurons-nous vraiment à rendre des comptes ? Puis il proposera « Regardons en bas. » Alors il regardera et verra son compagnon dans les profondeurs de l'enfer. Il lui dira « Par Dieu, tu as bien failli causer ma perte. Et n'eût été de la grâce de mon Seigneur, j'aurais moi aussi été de ceux qu'on traîne jusqu'au supplice. Est-ce possible ? Plus jamais nous ne mourrons. Et plus jamais nous ne serons suppliciés. » لمثل هذا فليعمل العاملون. C'est cela certes le triomphe suprême. C'est pour pareil succès que doivent œuvrer ceux qui œuvrent. أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حَمِيمٍ
ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين. Un tel accueil vaut-il mieux, ou alors l'arbre de Zakoum? Nous l'avons certes destiné comme épreuve pour les injustes. C'est un arbre qui prend racine au fond de l'enfer. Ses fruits ressemblent à des têtes de diable. Ils devront certainement en manger et s'en remplir le ventre. Et par-dessus, ils seront abreuvés d'une mixture bouillante. Puis ils retourneront au brasier. C'est qu'ils avaient trouvé leurs ancêtres dans l'égarement. Les voilà courant leurs traces. En effet, la plupart des anciens avant eux s'étaient égarés. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين. Nous avions bien envoyé parmi eux des avertisseurs pour les avertir. Regarde donc ce qu'il est advenu de ceux qui avaient été avertis. À l'exception des serviteurs de Dieu, sincères et dévoués. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ Noé jadis nous appela. Quel bon répondeur nous sommes. Nous les sauvâmes, lui et sa famille, de la grande détresse, et nous fîmes de ses descendants les seuls survivants. Et parmi les générations suivantes, nous avons perpétué son souvenir. Paix sur Noé parmi les habitants de l'univers. Ainsi récompensons-nous les bienfaisants. Il était certes du nombre de nos serviteurs croyants. Ensuite, nous noyâmes les autres. إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ أَئِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين. Abraham fut certes de ceux qui suivirent sa voix, quand il s'adressa à son Seigneur avec un cœur pur. Quand il dit à son père et à son peuple, qu'adorez-vous donc? Est-ce que ce sont de fausses divinités en dehors de Dieu que vous voulez adorer? Que pensez-vous alors du Seigneur des mondes? Puis il jeta un regard sur les étoiles et dit, « Je suis malade. » Les autres lui tournèrent le dos et s'en allèrent.
فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. Il se tourna alors vers leur divinité et dit à celle-ci : Que ne mangez-vous pas ? Qu'avez-vous à ne pas parler ? Il se rua sur les statues et les frappa de sa main droite. Alors les gens vinrent à lui en courant. Il leur dit : Adorez-vous ce que vous sculptez vous-même ? Alors que Dieu vous a créé, vous et ce que vous fabriquez. Ils dirent : Qu'on lui dresse un bûcher et qu'on le lance dans la braise ardente. Ils voulurent lui tendre un piège, mais nous les humiliâmes. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. Je vais aller auprès de mon Seigneur, dit Abraham, et il me guidera. Seigneur, accorde-moi un fils vertueux. Nous lui annonçâmes donc la bonne nouvelle de la naissance d'un fils patient et indulgent. Lorsque son fils fut en âge de l'accompagner, Abraham dit : Mon cher fils, je me suis vu en songe en train de te sacrifier. Vois un peu ce que tu en penses. Son fils dit : Mon cher père, fais ce qui t'est commandé, et si Dieu le veut, tu me trouveras du nombre de ceux qui sont patients. Quand tous deux se furent soumis à Dieu, et qu'Abraham eut jeté son fils front contre terre, voilà que nous l'appelâmes : Ô Abraham, tu as réalisé ce que tu avais vu en songe. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين.
Ce fut vraiment une rude épreuve. Et nous rachetâmes l'enfant par une offrande considérable. Et parmi les générations suivantes, nous avons perpétué son souvenir. Paix sur Abraham. Ainsi récompensons-nous les bienfaisants. Il était certes du nombre de nos serviteurs croyants. Nous lui annonçâmes aussi la bonne nouvelle de la naissance d'Isaac, comme prophète d'entre les gens vertueux. Et nous les couvrîmes de bénédictions, lui et Isaac, et parmi leurs descendance, certains sont bienfaisants, tandis que d'autres sont injustes envers eux-mêmes. ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين. Nous avons certainement favorisé Moïse et Aaron, et nous les avons sauvés, ainsi que leur peuple, de l'énorme angoisse. Nous les avons secourus et en avons fait des vainqueurs. Nous leur avons donné le livre explicite et les avons guidés sur le droit chemin. Et parmi les générations suivantes, nous avons perpétué leur souvenir. Paix sur Moïse et Aaron. Ainsi récompensons-nous les bienfaisants. Ils étaient certes du nombre de nos serviteurs croyants. وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. Élie fait certes partie des messagers. Quand il dit à son peuple, ne craindrez-vous pas Dieu? Invoquerez-vous Baal? Et délaisserez-vous le meilleur des créateurs? Dieu, votre Seigneur, est le Seigneur de vos ancêtres. Ils le rejetèrent. Alors ils seront certainement traînés jusqu'au supplice. À l'exception des serviteurs de Dieu, sincères et dévoués. Et parmi les générations suivantes, nous avons perpétué son souvenir. Paix sur Elias. Ainsi récompensons-nous les bienfaisants. Il était certes du nombre de nos serviteurs croyants. ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. Et Lot était certes du nombre des messagers.
nous les sauvâmes, lui et sa famille tout entière, sauf une vieille femme qui fut parmi ceux qui restèrent en arrière. Et nous détruisîmes tous les autres. Vous passez près de leurs ruines le matin, de même que le soir, ne raisonnez-vous donc pas. وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. Et Jonas était certes du nombre des messagers. Il s'enfuit sur un vaisseau surchargé. Il prit part au tirage au sort qui le désigna pour être jeté à la mer. Le poisson l'avala alors qu'il était blâmable. S'il n'avait pas été de ceux qui glorifient Dieu, il serait resté dans le ventre du poisson jusqu'au jour où on l'aurait ressuscité. فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. Alors nous le fîmes rejeter sur un rivage désert, chancelant et mal en point. Et nous fîmes pousser au-dessus de lui un plant de courge. Puis nous l'envoyâmes comme prophète vers 100,000 hommes ou plus. Ils crurent en lui, alors pour un temps nous les fîmes jouir d'un sort paisible. فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. Interroge-les. Ton Seigneur n'aurait-il que des filles tandis qu'eux-mêmes n'auraient que des fils? Ou bien avons-nous créé des anges de sexe féminin sous leurs propres yeux? Certes, ils ne font que proférer un mensonge quand ils disent: Dieu a engendré, ce ne sont que des menteurs. Il choisit les filles de préférence aux garçons. Qu'avez-vous donc à juger ainsi? Est-ce que vous ne vous souvenez pas? Ou bien avez-vous un argument évident, faisant autorité? Apportez donc votre écriture, si vous êtes véridique. ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. Ils prétendent qu'il existe un lien de parenté entre Dieu et les djinns, alors que les djinns savent parfaitement qu'ils seront amenés devant lui
pour être jugé. Gloire à Dieu, il est bien au-dessus de ce qu'il lui attribue. Il en sera autrement des serviteurs de Dieu, sincères et dévoués. En vérité, vous et ce que vous adorez, vous ne saurez séduire contre lui que celui qui affrontera la fournaise. وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ. Il n'est aucun d'entre nous qui n'ait une place déterminée. Nous sommes ceux qui sont placés en rang. C'est nous, certes, qui célébrons les louanges de Dieu. لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون. Et ces gens en arrivent à dire: si seulement nous avions eu un rappel de nos ancêtres, nous aurions certainement été des serviteurs de Dieu, sincères et dévoués. Ils n'y croient pas, ils sauront bientôt. Notre parole a déjà été transmise à nos serviteurs. Ce sont eux qui seront secourus, et nos troupes seront toujours victorieuses. Alors éloigne-toi d'eux pour un temps, et observe-les. Bientôt ils verront. أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ. Quoi, chercherait-il à hâter notre châtiment? Quand celui-ci s'abattra sur eux, ce sera alors un mauvais matin pour ceux qu'on aura avertis. Éloigne-toi d'eux pour un temps. Observe-les. Bientôt ils verront. Gloire à ton Seigneur, Seigneur de la magnifiance. Il est bien au-dessus de ce qu'il lui attribue. Et paix aux messagers. Et louange à Dieu, le Seigneur des mondes.